Voilà. Je fais cette vidéo, je ne vais pas trop prendre le temps, mais je m'adresse un peu à l'artiste singleton. Grand, il faut manger. Mais arrête d'insulter, arrête de dénigrer. Moi, tu n'es pas mon cible, hein? Tu n'es pas mon cible. Mais je vois que tu commences à aller un peu loin. Il faut manger. Si tu voudrais faire des preuves pour que tu sois remarqué par le système, qu'on sache que ouais, un artiste existe qui s'appelle Singleton qui a cité Mamadou Doumbouya, là, c'est fait. Là, c'est fait. Mange l'argent qu'on va te donner, occupe-toi de ta petite famille, retourne-toi au champ, va continuer à cultiver. Mais arrête de te jouer au dur. Ici, tu n'es pas dur. Tu n'es pas dur ici, là. Ici, tu n'es pas dur. Vous connaissez Ousking. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé ça, depuis 2013. Il faut arrêter. Nous sommes pas dans le... Moi, je suis pas en destruction contre ta personne. Tu es un père de famille, tu te bats pour ta famille. Tu veux faire vivre ta famille. Moi-même, tu me fais pitié. Parce que quand tu m'as contacté, j'ai compris que c'était chaud dans ta vie. C'était chaud chez toi. Tu avais vraiment besoin d'argent. C'est pourquoi tu es en train de faire tout ça. Mais on a le choix. Il fait un temps dans notre vie. On a le choix de choisir ce qui est meilleur ou ce qui est bon pour nous. Vous comprenez? Nous, notre optique, c'est quoi? Nous voulons être du côté du peuple. Nous voulons se battre. Nous voulons que c'est la Guinée qui change. Nous ne sommes pas en train de se battre pour que notre propre vie change. On se bat aujourd'hui pour que la Guinée change. Donc, si tu ne peux pas rejoindre les victimes, parce que moi, je ne t'ai jamais vu poster ici, quand les balles atteignent des victimes, je ne t'ai jamais vu poster ici, je ne t'ai jamais vu aller saluer, c'est les familles qui ont reçu des balles. Mais tu es là quand même à faire la promotion de ton son. Un son qui a été créé par l'artiste Navigator. Singleton, tu es connu par ton vol. Tu es un voleur. Tu n'as pas d'inspiration. Moi, en 2015, ici, tu es venu voler mon concept Doki. Tout le monde connaît le concept. Imama Doki. Doki, Doki. Tu l'as modifié, tu as dit Doki. Ça m'a mené. Ça nous a mis en guerre. Tu comprends? Quelqu'un dit arrête des injures. Voilà, si c'est dit à Cissé d'arrêter des injures. C'est pas moi qui insulte. Donc, Singleton, il faut arrêter. Arrête d'insulter des gens. Tu es un père de famille. Tu as des enfants aujourd'hui qui te regardent. Si tu n'as pas eu honte de tes enfants, tu t'attaques à nous. Moi, j'ai senti un son contre toi. Je ne vais pas faire sortir le son. Parce que quand je sors le son, tu vas te taire à jamais. Arrête. Arrête. Tu connais Ousking, Singleton. Tu connais bien qui est Ousking. C'est vrai, tu vas sortir sur les réseaux sociaux ici, venir te faire des yeux durs. Mais dans la tête, tu connais qui est Ousking. Arrête. On ne veut pas que ça arrive à un certain niveau. Si tu n'arrêtes pas, si je sors le son, pendant toute ton histoire, ça va te choquer. Arrête. Tu as eu ton game? Oh, vous voulez quoi? J'ai vu mon petit sur live. Ben, il faut aller dire d'abord après d'aller venir. Comment ça, t'es pas vu là? Petit, je suis en live. Allez-y d'abord, vous allez venir. Hein? Allez-y d'abord, après vous revenez. Ah, petit. On peut débarquer sur quelqu'un comme ça. Désolé, hein. Singleton, il faut arrêter. Il faut arrêter de... C'est un conseil fat. C'est un conseil d'un petit frère que je te donne. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est bon, on arrête. Mange ton argent, il n'y a pas de problème. Mais arrête. Aujourd'hui, la Guinée a besoin des gens qui vont... Aujourd'hui, nous sommes à 3 mois des élections. Mamadi Doumbouya n'a pas respecté ses engagements. Nous on veut aujourd'hui qu'il respecte ses engagements afin que la Guinée puisse reconnaître la vraie démocratie. Si tu ne peux pas rejoindre ce mouvement, ne sois pas là à cause des intérêts personnels que tu vas vendre l'âme des victimes. Aujourd'hui, le peuple se fait massacrer par un système. Tu ne peux pas en parler. Aujourd'hui,
Tes concerts ont été remplis par une ethnie. Cette ethnie-là, c'est toi qui t'arrêtes les insultes. Tu sais de quoi je parle. Mais il faut arrêter. Arrête, pardon. Je ne veux pas que ça atteigne un certain niveau qu'on va tous dire, ah si je savais. On va tous regretter pourquoi on l'a fait. Donc arrête. Stop. Stop. Voilà. Je veux que tu arrêtes. Tu n'es pas le gangster. Singleton, tu n'as jamais été un gangster. Tu n'as jamais été à la rue. Tu n'as jamais connu la vraie galère. Tu n'as jamais connu des choses horribles comme ce que nous on a connu. Singleton, tu t'es fait entourer par des gens. Nous, moi, je n'ai pas de bodyguard. Je n'ai pas de bodyguard. Hein. Je n'ai pas des gens qui me protègent. Voilà. Toi, tu peux pas, tu peux même pas quitter chez toi, aller dans une boutique si tu n'as pas de gars qui t'entourent. Ce qui veut dire que tu ne connais pas. Ce que tu es en train de jouer là, ce n'est pas toi, Singleton. Aujourd'hui, tu es en train de manger, mange. Moi, je dis, toute personne qui va s'arrêter devant cette transition, ce qu'on peut faire, on va te le faire. Donc aujourd'hui, il ne faut pas te faire remarquer. Takana est venu, il est malin. Il a fait son business, il a mangé, il s'est tué. Il n'est pas venu, il n'a pas fait de woyo waya. Mais toi, tellement que tu veux te faire remarquer, tu injures les gens. Quand tu insultes des frères de famille, tu penses que les gens vont te laisser? Moi, aujourd'hui, ça me fait mal. Ça me fait mal que tu te comportes comme ça. Tu es ridicule. Ça fait de la honte. Arrête. Arrête. Moi, je n'aime pas dénigrer une célébrité, quelqu'un qui a un nom. Parce que même moi, la honte, je ne l'aime pas. Je n'aime pas dénigrer les gens. Donc, arrête. Ne joue pas à ces jeux. Tu n'es pas un gangster, Singleton. Arrête de te jouer au gangster. S'il n'y a pas de gars là derrière toi, tu te joues. Arrête. Les vrais méchants sont en Guinée. Singleton, ce n'est pas toi. Arrête. Ne te joue pas au gangster. Ne te joue pas à quelqu'un qui connaît, qui est canaille. Il n'y a pas un artiste qui est plus canaille que Ousmane en Guinée. Vous le savez tous. Il n'y a pas. Tout confondu, il n'y en a pas. Mais nous, aujourd'hui, tu peux être mauvais, mais tu peux utiliser toujours ton talent dans le bon sens. Moi, j'ai l'audace. Et cette audace-là, j'ai décidé de le mettre dans le bon sens. Donc, il ne faut pas te jouer au gangster ou à l'impoli. Il ne faut pas te jouer à ça. Grand frère, toi aussi. On a des vécus ensemble. Moi, je n'ai jamais voulu faire un live contre toi spécialement. Mais il faut arrêter. Moi-même, personnellement, tu sais ce que tu m'as fait. Tu le sais. Tous tes sons, tu sais que tu les travailles. Tu sais, moi, personnellement, ce que tu m'as fait. Tu m'as travaillé. J'ai toutes mes preuves. Mais j'attends le bon moment pour t'enchaîner avec. Les gens m'ont dit, Ouskine, tu ne sais pas ce que tu fais. Mais moi, je sais. Mais Singleton, il faut arrêter. Il faut arrêter. Je sais que tu as faim. Je sais que tu as des problèmes économiques. Parce que moi, tu m'as tout expliqué. Tu as des problèmes économiques. Mais je ne savais pas que tu pouvais aller au point d'insulter les gens. Les Damaro, les Asie, les qui encore. Plein de personnes, tu insultes les gens. Et tu te permets d'insulter nos politiciens. Il faut arrêter. Ces politiciens, ce n'est pas tes camarades. C'est tes grands-pères. Arrête, Singleton. Ces politiciens, ce n'est pas tes camarades. Toi et moi, on a eu des problèmes ici. Moi, j'ai voulu t'enfermer. Parce que tu es venu m'attaquer physiquement quand tu étais au top. Tu es venu, tu as volé mon concept d'Oki. Et quand j'ai revendiqué, parce qu'à l'époque, tu avais le pouvoir, tu t'es attaqué même à ma personne. Moi, tu m'as agressé physiquement. Toi et tes gars. Tu as monté un complot. Je suis parti, je me suis fait trahir par mes propres éléments. Quand je suis parti, tu m'as envoyé plus de 10 personnes qui m'ont attaqué toutes seules. À l'époque, j'étais trop jeune, trop enfant. Je ne pouvais pas me défendre. J'avais que des larmes pour pleurer. Mais aujourd'hui, ça, c'est que je peux me défendre. Je peux t'atteindre. Je peux atteindre tout l'eau. Je peux t'atteindre. Vrai, Singleton, il faut arrêter. Il ne faut pas te jouer au gangster. Quand tu n'as jamais été un gangster en Guinée. Aujourd'hui, tu es en train de manger. Mange. Moi, aujourd'hui, c'est Takana que j'ai à faire. Parce que c'est lui la tête de cette hypocrisie. Pendant que les gens sont en train de mourir, vous n'avez même pas honte en tant qu'artiste. Au lieu que vous donnez la force à ces mamans aujourd'hui qui sont en train de pleurer, vous êtes en train de donner la force à un démagogue politicien qui n'est même pas élu par le peuple. Il n'est aimé par personne. Vous êtes en train de monter des faux trucs pour faire comprendre aux gens que vous l'aimez. Arrête. Arrête, Singleton. Moi, je te dis ton nom. Il faut arrêter.
On n'est pas là. Ce problème-là n'est pas arrivé à ce niveau. Mettons la balle à terre. Comprenons-nous. Allons sur la base. Moi, je sais qu'un jour, tu vas me comprendre. Même si aujourd'hui, tu ne vas pas me comprendre. Mais un jour, le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, le combat par lequel Fonike Mangue s'est fait arrêter aujourd'hui, le combat par lequel que les jeunes de l'Axe sont morts aujourd'hui, le combat par lequel Selou se bat aujourd'hui, le jour que ce combat-là va marcher, même toi, tu ne vas pas chanter pour un politicien. Parce que tu seras indépendant. Aujourd'hui, dans l'administration, c'est la pagaille. L'artiste est mieux payé dans la société que n'importe qui. Les voitures qui rentrent, dans les conditions normales, chaque voiture doit payer un impôt pour les Guinéens, parce que c'est la radio qui est là-bas. Chaque voiture doit payer de l'impôt pour les artistes, je veux dire. Est-ce que vous voyez votre argent? Vous ne voyez pas. B2A ne vous paye pas. Vous ne voyez rien. Toi-même, tu n'es pas payé pour ton art, singleton. Aujourd'hui, au fait, ce n'est même pas écrit dans le contrat de ces réseaux téléphoniques aujourd'hui qui doivent organiser des spectacles en Guinée. Ce n'est pas dans leur contrat, mais aujourd'hui, ils organisent. Aujourd'hui, on prend vos sons, ils mettent ça sous des événements, mais vous n'êtes pas payé. Le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est un combat digne et noble. Revenez, soutenez le peuple. Si vous soutenez le peuple, Singleton, Takana, Eli Kamano, Eli Kamano a vite compris. Il est du côté du peuple en ce moment. Mais on ne sait pas jusqu'à quand. Parce que le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est un problème d'intérêt. C'est un problème d'intérêt. Tu as confiance à une personne, un beau matin, tu es trahi. Tout le monde vit son intérêt personnel. Personne n'est capable de mettre la Guinée devant. C'est pourquoi je m'en soucie à personne. Parce que tu vas être avec une personne aujourd'hui, c'est pour te dire que, écoute, voilà, il y a ce mouvement-là qui est créé, on va faire ça, faut faire un bédon. Moi, toute personne qui me parle, on va faire un bédon, on n'a pas le même esprit. Toute personne qui me dit, oh, il faut qu'on mange ensemble, on n'a pas le même esprit. Moi, je sais que, tôt ou tard, quelqu'un qui se bat pour sa conviction, l'argent même, tu vas avoir de l'argent, toi-même, tu vas fuir l'argent. Et puis l'argent calme. Ah, c'est pas l'argent chaud. L'argent calme. Mais aujourd'hui, si on n'est pas patient, on risque de prendre notre art, on le vend à vil prix. Moi, personne ne peut commander mon art. Ma musique, on ne peut pas le commander. Personne ne peut commander moi ma musique. Personne dans le monde. Je vous dis, ma musique, personne ne peut le commander. Je suis avec toi, hein, juste parce que je comprends que tu as envie de... Tu veux que je sois comme toi, mais tu veux commander ma musique. Une fois que j'apprends ça seulement chez toi, je me casse. Donc, les artistes activistes aujourd'hui, nous avons trop de problèmes en Guinée. Nos amis sont arrêtés, sont en prison. Fonike Mangue, vous pensez que nous ne sommes pas tristes là où nous sommes? Vous pensez que moi, on ne souffre pas là où nous sommes? C'est vous les artistes qui devrez se lever pour dire haut et fort, nous voulons l'égalité entre tous les Guinéens. Mais si vous ne faites pas, arrêtez de vendre votre démocratie à cause de 10 millions, de 15 millions, de 20 millions. Quelqu'un dit, si tu mérites d'être empoisonné, mon frère, on me menace tous les jours, je le sais. Mais moi, c'est Dieu qui peut décider quand je dois rendre l'âme. Ce n'est pas un être humain. Et puis tout ce que je voudrais faire dans ce monde-là, je l'ai fait déjà. Tous les messages que je voulais transmettre, je l'ai fait. Donc même si aujourd'hui, quelque chose m'arrive, le public, les générations, ils ont déjà vu, les sons sont en bas. Ils vont aller écouter. Au moins, on fera la différence entre Ouskine et vous. Et moi, c'est ma plus grande. C'est ça que je veux. C'est vous les artistes qui gâtez la Guinée aujourd'hui. C'est vous les artistes démagogues là qui sont en train de gâter la Guinée aujourd'hui. Quand Touk était venu, Alpha Condé était venu. C'est vous qui êtes venu auprès pour le faire comprendre qu'il peut faire un troisième mandat. Vous êtes en train de tromper Dadis. Vous avez trompé Dadis. Aujourd'hui, vous êtes en train de tromper aussi. Le gars là, Doumbouya. Arrêtez. Mettez votre lard en valeur. Acceptez la faim aujourd'hui. Acceptez la souffrance aujourd'hui. Acceptez aujourd'hui, demain, Dieu va vous aider. Singleton, arrête, grand frère. S'il te plaît, c'est une doléance que je te fais. Je ne veux pas que toi et moi, on arrive à un certain niveau où on va tous regretter. Moi, tu ne peux pas faire le poids. De ce qui est devant la presse, devant les gens, tu peux aller te jouer au gangster. Mais vous connaissez tout. Boy, vous connaissez Ouskine. Vous connaissez qui est Ouskine.
arrêter. Si tu voudras te faire remarquer, tu as gagné. Là, Golo Game, hein, le son des navigateurs, tu as bien modifié. Et arrête aussi de dire que si le navigateur était vivant, il allait se comporter comme toi. Je suis désolé. Je suis désolé. Le navigateur n'est pas là pour se justifier. Arrête de dire que le navigateur était le petit de Doumbouya. Arrête ça. Arrête ces mensonges. Tu n'es pas là. Arrête cette politique de mélanger les gens. Concentre-toi sur ta carrière. Concentre-toi sur ta vie. Laisse-nous vivre. Laisse-nous nos combats. Les artistes vendus du système. Les artistes peureux. Parce qu'il n'y a pas que seulement que des artistes vendus. Il y a des artistes qui sont vendus. Il y a des artistes les peureux. Ils ne s'assument pas. Même quand ils ne s'assument pas, ils ont peur de ce système. Nous ne sommes pas des peureux. Si vous voulez, dites-vous que ce que nous faisons, ce sont des conneries. Nous, on s'en fout de vos mentalités faibles. Nous allons mener ce combat jusqu'au dernier souffle. Nous ne sommes pas là pour reprendre l'histoire. Nous ne sommes pas là pour suivre quelqu'un. On respecte les gens. Mais nous avons nos mentalités et c'est cancré, c'est fermé. Avant qu'on ne vienne sur ces panels, on a appris à se maintenir et à comprendre. Je profite d'abord de l'occasion pour informer les fans qui me suivent. Le jeudi, il y a un grand politicien qui sera sur mon TikTok. À partir de 0h, le jeudi, il y a un grand politicien, je ne vais pas vous dire son nom, il va affronter les activistes. En fait, lui, il est avec la mouvance. Mais il a déjà son parti politique. Il va affronter les membres de la FNDC. Les gens qui sont avec le peuple. Ça sera sur mon TikTok à partir de 0h. Et chaque jour, encore venez sur mon TikTok, nous donnons la chance à tout le monde de s'exprimer. Chaque jour, parfois c'est à 22h, parfois c'est à 0h. Venez, entre 23h et 0h, venez sur les panels, donnez vos avis. Nous, on a besoin aujourd'hui des grandes têtes pour que la Guinée puisse aller vers les élections. Ça, c'était juste entre parenthèses. Donc, si vous m'avez compris, restons focus sur l'objectif. Et à partir d'aujourd'hui, je m'adresse à tous mes fans. Arrêtez de donner la force aux médiocres. Aujourd'hui, vous donnez plus la force à ces artistes médiocres qu'aux gens qui se battent réellement. Allez-y voir les sons démagogues sur YouTube. Allez-y voir nos sons sur YouTube. Vous allez voir, il y a une différence. Vous leur donnez de la force. C'est pour que Sengetor a dit que quand Navigator était vivant, pourquoi vous ne l'avez pas donné une telle force? Nous aussi, il faut qu'on sait bien orienter nos combats. Aujourd'hui, si vous partez, regardez, Daniel Alpha, donnez-lui de la force. Voilà les artistes qu'il faut soutenir. Allez-y sur ce panel. Ouskig, Streker, il y en a pas mal d'artistes qui se battent pour la population. J'ai aussi vu la vidéo d'un rappeur là tout récemment qui fait la musique. Allez-y là-bas. Les vraies personnes. Allez-y là-bas, donnez de la force. Arrêtez de prendre ces médiocres, vous les mettez sur vos panels, sur vos pages. Arrêtez. C'est vous qui les donnez de la force. C'est vous qui faites que les gens parlent d'eux. Sengetone était mort, c'était un cadavre. Il a fallu qu'il s'en pour Doumbouya. Après, son nom a commencé à sortir. Restez aux côtés des gens qui donnent de la force. Aidez les gens qui sont avec le peuple. Donnez de la force les gens qui sont avec le peuple. Voilà. Donc, le rendez-vous, c'est le jeudi, à partir de 0h. Un grand politicien sera sur mon TikTok. Je vous dis bien, un très très grand politicien. Ça va être une surprise. Il doit affronter les gens de l'opposition. Ils ont une heure de temps d'affrontement. Parce que moi, j'ai dit que je n'ai pas d'ennemis, j'ai que des adversaires. Même les gens que j'attaque aujourd'hui, c'est peut-être que demain, après-demain, qu'on se retrouve. On discute, on parle, on s'amuse, tout et tout. Mais aujourd'hui, nous sommes... Ouais, les gens disent, bon, toi, je vais te bloquer tout à l'heure là. Tu continues à parler, il faut que tu sois en prison. Donc, le combat va continuer. Restez focus. Laissez tomber ces démagogues, ces vendus. Ils veulent tout l'argent qu'il y a sur la planète. Malgré tout ce qu'on les a donné, ils ne sont pas satisfaits. Parce qu'ils ne sont pas bons de la gestion. Moi, tu me donnes un petit 1 million, même en francs guinéens. Je suis capable de l'économiser, de le multiplier. Mais et même quand tu donnes des 1 milliard, ils vont le manger tout de suite. Parce qu'ils sont habitués à manger l'argent facile. Toi, Oudi, le coco s'appelle.
grand, tu n'as rien à nous apprendre. Tu peux prendre ma Bible, tu gardes parce que vous êtes fort dans ça. Détruis la vie des gens. Tu n'as rien nous à nous apprendre. Voilà. Aujourd'hui, Fiskila, je pense que lui l'a compris. Le grand frère Fiskila, il est un peu froid dans le mouvement. Je pense qu'il a compris. Et je suis fier de lui. Et j'aimerais qu'il continue sur ce sens. Fiskila a compris. Il a compris un peu. Fiskila a compris un peu. Donc, les autres démagogues, là, continuent à soutenir les dictateurs. Bientôt, on va quitter sur Facebook. On va commencer à se rentrer. Parce que ça, là, bientôt, on va quitter sur Facebook et on va commencer à se rentrer. Si vous ne comprenez pas. Donc, Fiskila, si tu as compris, grand frère, moi, je remercie Dieu aujourd'hui. Singleton qui veut être le latéral de la démagogie des cocos. C'est toi qui veux faire. Takana, c'est le pivot. On fait, c'est lui qui organise tout. Oudi, c'est le meneur. C'est le cocor certifié. Eli Kamono, c'est le stratège. Il a tenté, ça n'a pas marché, il a quitté. Donc, on ne s'associe pas avec les démagogues. Moi, je ne m'associe avec personne. Celui qui veut m'aimer tel que je suis, aime-moi. Celui qui veut me détester tel que je suis, déteste-moi. Tout ce que vous voulez, faites-le. Mais nous, on va rester là. Continuez vos démagogies de griotisme. Continuez à faire vos griotismes. Nous, on s'en fout de ça. Si vous voulez, Okidibité, si vous voulez faire sortir des albums chaque seconde pour Doumbouya, c'est pas notre problème. On n'a rien à foutre de ça. C'est que nous, on a demandé à Doumbouya qu'il parte vers les transitions. S'il ne part pas vers les élections, nous, on ne reconnaît pas la date qu'il nous a donnée. Les vidéos sont témoins. Il n'est pas capable d'organiser des élections. Il n'est pas notre président. La Guinée, ce que vous voulez de la Guinée, on va le faire. On va le faire encore. On va le faire. Donc, moi, j'ai été clair avec mes principes. Tu n'es pas prêt à être avec le peuple. Ne me contacte pas, ne m'associe pas. Parce que si tu me fais, ne sois pas surpris que je t'affiche. Hein. Tu n'es pas dans l'esprit du peuple à 100%. Ne viens même pas tenter ou skin dans tes démagogies. Voilà, le combat, il est noble. Le combat est sincère. Les idées sont claires. Et le combat, là, nous allons le mener. Ou sans vous, le peuple a compris. Aujourd'hui, la photo de Doumbouya a été brûlée en plein cancan. Vous qui disiez, Doumbouya a aimé par les Malinkés. Doumbouya, sa photo a été brûlée devant les pick-up à cancan. Bombo Clackman. Ça, c'est parce qu'aujourd'hui, nous, on fait des efforts. On ne peut même pas sentir la bonne musique maintenant. Moi, même si tu veux sentir la bonne, tu ne peux pas. Il faut que tu sentes le son de la révolution. Ils ont brûlé sa photo. Mangana est en cours. Ils sont partis aussi à Guéguédou. Forêt. Je vous explique l'histoire. Ils sont partis à Forêt, les gens de Doumbouya. Mettez les cœurs, ils ont commencé à signaler. Pardon. Mettez les cœurs. Ah, bâtard. Mettez les cœurs, ils ont commencé à signaler. Ils sont partis dans Forêt, les membres de Doumbouya là, qui vont aller convaincre les habitants de Forêt pour leur dire que restez avec Doumbouya pour les élections, tout et tout. Mon frère. La Forêt n'a pas accepté. Allez-y vous renseigner. La Forêt a refusé. Ils disent que non, ils refusent. Qu'ils ne vont pas accompagner Doumbouya. Doumbouya n'est plus soutenu. Alors, si vous mettez le cœur, je commence à signaler. Pardon, mettez le cœur. Mettez le cœur. Mon visage, c'est gratte. Donc, si vous voulez faire comprendre aujourd'hui à Doumbouya qu'il connaît quelque chose, la population l'aime, nous, on n'aime pas Doumbouya. Doumbouya, on n'aime pas Doumbouya. C'est qui? Nous, on n'aime pas Doumbouya. On n'aime pas aujourd'hui, on n'aime pas demain. Ce n'est pas sa personne que nous détestons. C'est pas sa personne que nous détestons. On déteste le travail qu'il est en train de faire aujourd'hui au Guinée. Car il est en train de répéter l'histoire. Voilà. Il est en train de répéter l'histoire. Donc, nous, on n'est pas dans son esprit. S'ils veulent encore avoir $1 milliard, on s'en fout de leur argent. Le jour que le peuple sera souverain, nous allons avoir plus que Doumbouya. Voilà. Nous allons avoir plus que Doumbouya. Donc on s'en fout de leur sale démocratie. Il n'y a même pas de constitution en Guinée. Il n'y a pas de constitution. Aujourd'hui, ils essaient de nous menacer, nous faire peur. On n'a pas peur de vous. Vous, les artistes vieillards, là, on n'a plus peur de vous. Votre masque, là, est tombé. Le masque du monstre est tombé. Il s'habille en costume. Le masque du monstre est tombé.
On s'en fout de vous. On n'a plus peur de vous. Nous voulons des élections. Nous voulons un civil au pouvoir. Nous ne voulons plus un militaire au pouvoir. Les Guinéens sont fatigués de ces dictateurs. Les Guinéens sont fatigués de ces assassins. Les Guinéens sont fatigués de ces manipulateurs politiques. Les Guinéens sont épuisés de vous. On est fatigués, on ne vous aime pas. On ne mange pas avec vous. Nous sommes fatigués de vous. On ne veut plus de vous. On ne veut plus de vous. Nous sommes fatigués de vous. On est fatigués de vous. Allez-y vers les élections. Ceux qui veulent nous suivre, qui nous suivent. Ceux qui ne veulent pas nous suivre, c'est votre problème. Le combat là-bas continue. Singleton, le voleur des concepts. Voilà, on est fatigué de vous. Allez-y, mangez. Laissez-nous dans le combat. Fonike Mangue et Buloba sont arrêtés. Vous ne parlez pas de ça. Hein? Vous ne parlez pas de ça. Mais vous êtes prêts quand même à parler de ces assassins au pouvoir. Pendant plus de 10 ans à 15 ans, une ethnie s'est fait massacrer en Guinée. Aucun artiste n'a parlé. Les victimes sont dans les larmes. Les victimes, les cimetières sont remplis des opprimés. Les cimetières sont remplis des gens qui n'ont jamais voulu être au cimetière. Aujourd'hui, ils ne peuvent ni parler ni s'exprimer. Mais nous allons faire leur combat. Pour lequel ils sont morts. S'il n'y a pas eu de justice pour eux, on est prêt à les rejoindre. On est prêt aussi à mourir pour eux. Pour notre conviction. Pour notre vie. Pour notre honneur. Moi, c'est un lucidible. C'est dans ma tête, tôt ou tard. Je vais être assassiné par un système. J'ai déjà prévu ça dans ma tête. Parce que je serai un opposant éternel. À chaque fois que vous jouez avec le droit humain, vous jouez avec la constitution, nous allons vous combattre. Quelqu'un dit la forêt, mon frère, tu n'es même pas renseigné par rapport à la forêt. Nous, on a des informations nettes. Ils sont partis pour corrompre. Attends, tu vas voir dans les deux jours là, Doumbouya là-bas. Peut-être les premières personnes qui n'ont pas eu à manipuler vont aller manipuler d'autres personnes. Nous, on a des informations. Voilà. On a des informations. Donc, si vous n'avez pas été capable, vous avez été incapable de dénoncer les gens qui ont fait des tueries en Guinée, nous qui sommes en train de nous battre, je ne suis pas seul. Il y a Gan Alpha, il y a Striker, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en train de se battre. Je ne suis pas seul. Je suis juste une entité du combat. Mais si vous n'êtes pas capable de vous battre pour nous, alors fermez-la, laissez-nous mener le combat. Mais arrêtez de vous jouer au danger en Guinée. Vous ne pouvez rien faire en Guinée contre nous. Hé, hey, Takana, il sait parler. C'est les gens qui savent parler. Oui, Adam, what a bomb clac, man. Mais nous faisons ma pause, c'est all, man. Oui, Adam, c'est ça, c'est fini. C'est fini, hein? Moi, je vous dis, en franche vérité, je respecte l'être humain, mais je n'ai pas perdu un être humain. Takana, ta grandeur, c'était tes actes. Mais lorsque tes actes-là ne sont plus avec le peuple, on n'a pas d'esprit avec toi. Voilà. Nous, on s'en fout, hein? Comme vous vous en foutez, on s'en fout vraiment, quoi. Le combat là va continuer. C'est la vie ou la mort. C'est la vie ou la mort. Mais le combat n'a pas continué. Donc voilà. Continuez à venir sur mon TikTok. Chaque jour. Soit à 23h, à 0h. 23h, 0h, 1h, 2h. Venez. Nous allons échanger. Voilà. Et je vous reprends encore. Les gens ont commencé à me parler des IFDG. Oskin, nous on veut te joindre, mais comme tu es la IFDG, on ne peut pas t'aider, on ne peut pas être avec toi. Ma position avec IFDG va pas changer jusqu'à la fin de ma vie. Si vous voulez m'aimer, aimez-moi. Si vous voulez me détester, détestez-moi. Mais moi,
Je ne vais pas vous détester parce que vous aimez Kassori, ou vous aimez Top Model, Ali Ouba, ou vous aimez telle personne. Excusez-moi. Attendez, mais je vais prendre, quelque chose. Donc voilà. Sortez, pardon. Ne venez pas chez moi sans m'appeler. Allez-y. Allez-y d'abord, je travaille. Quand il fait, je vous appelle. Hein? Allez-y. Je vous en prie, allez-y. Pourquoi vous êtes même rentré? On ne vient pas si quelqu'un sans l'appeler. Allez-y, je travaille. Allez. Après, hein? Mm-hmm. D'accord. Quoi? On ne vient pas si une personne sans l'appeler. C'est pas juste. Allez-y. Merci. Mm-hmm. Merci. Allez, bye. Donc voilà, on s'en fout de ce que vous pouvez penser. Aujourd'hui, vous avez décidé d'être aux côtés du pouvoir. Le pouvoir est éphémère. Le pouvoir. Être président, ce n'est pas un poste. Tu peux dormir aujourd'hui. Le matin, tu te réveilles. Tu n'occupes plus ton poste. Vous comprenez? Tu peux dormir aujourd'hui. Le matin, tu te réveilles. Ton poste-là, tu ne l'occupes plus. Donc, nous. Très malheureusement, vous êtes là en train de soutenir un dictateur. Si Doumbouya était venu, il était élu du peuple. Si Doumbouya était élu du peuple, moi, je n'allais pas me mêler aux gens qui l'aiment, mais il est venu par des armes. Donc, ma position avec IFDG n'a pas changé. Moi, j'aime Seloudet, mais je ne fais pas la guerre aux gens qui n'aiment pas Seloudet. Je fais la guerre aux gens qui soutiennent Mamadi Doumbouya. Ah, faites la différence. Je ne fais pas la guerre aux gens qui détestent Seloudet. Parce que si je fais ça, moi aussi je suis en train de déconner. Moi je dis que j'aime Seloudet. J'aime IFDG. Je ne suis pas membre. Je suis juste un admirateur. Voilà. Un simple admirateur. Voilà. Je suis un simple admirateur. Donc, les gars, je vais couper le live. Continuez à faire vos challenges sous le son concours, sur TikTok. Allez-y faire le challenge. Ça les fait mal. C'est un message que nous sommes en train de les transmettre. Allez-y donner aussi la force à l'artiste aussi sur YouTube. Moi, c'est tout ce que je vous demande. Le reste, je m'en occupe. Il n'y a pas de trahison entre vous et moi. On est ensemble. Il n'aura jamais de la trahison. Si je commence à déconner, prévenez-moi. Si je ne vous écoute pas, quittez-moi. Prenez la Guinée. Soutenez-moi en tant que je soutiens le peuple. Mais le jour que je vais commencer à quitter derrière le peuple, lapidez-moi comme je lapide les autres là. Parce que c'est le peuple qui passe avant nous tous. Ne vous laissez pas intimider par qui ce soit. Moi, il n'y a personne qui peut m'intimider face à mes convictions. Vous aussi, ne vous laissez pas manipuler. Même si c'est moi, Jacques, qui vient vous voir demain. Ah, maintenant, écoutez, voyadem, bombo clac. Maintenant, soutenons tel parti. Soutenons ça, lapidez-moi. Cherchez-moi. Combattez-moi. Combattez-moi, parce que je ne suis pas dans votre esprit. La Guinée passe même avant moi. Moi, la Guinée passe avant même mon papa, avant ma maman. Pas mon papa, il m'a appelé.
Il m'a dit où ski? J'ai dit oui. Excusez-moi, j'ai un problème de respiration parfois. Thank you.